Yo la famille, c'est Rebel C9. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de la ville de Pau, dans les recoins, dans les labyrinthes, et on fait une petite interview pour parler de moi. Alors moi, de base, je viens du hip-hop, de la danse hip-hop. À l'époque, je m'appelais Rob O Dance, R-O-B, espace O-H, apostrophe, Dance. Du coup, on a gardé, enfin tout le monde à l'époque, quand je dansais, on m'appelait Rob, parce que Rob Dance trop long, c'était mon nom générique, on va dire. Du coup, depuis, tout le monde m'appelle Rob, et du coup, quand je me suis un peu détaché de la danse, que j'ai commencé à rapper, c'était Rob. Et le LC9, en gros, ça représente mon collectif avec lequel j'ai commencé à rapper, on s'appelait le comité, on était 9, du coup, LC9, Rob LC9. J'ai commencé la musique très jeune, mes parents sont musiciens, mon père il fait de la guitare, j'étais prof de musique aussi pendant longtemps. Ma mère, elle fait du chant, elle chante beaucoup en chorale, chant lyrique, etc. Du coup, j'ai toujours baigné dans la musique. À l'époque, moi, je faisais du solfège, je faisais du luth même. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le luth, c'est l'ancêtre de la guitare. Une espèce de petite guitare comme ça, avec un long manche, une grosse caisse comme ça, 12 cordes. Et moi, j'étais comme ça, petit robe, longs cheveux, comme ça, en train de jouer du luth. Et depuis, j'ai toujours été là-dedans. Du coup, ensuite j'étais dans un groupe de musique, chanter. Ensuite, je commençais à écrire mes textes, à rapper. Et me voilà où je... Young Thug. C'était sûr, vous avez pas la ref. Young Thug, je pense que c'est ma plus grande inspiration ever après ma mère. Et Young Thug, c'est celui qui a inspiré toute la génération de rappeurs que t'as au States en ce moment. Les mecs qui pètent, genre, je sais pas, les Travis Scott, les Playboi Carti, etc. Donc c'est. Ouais, c'est une référence très importante. Ouais. Ouh, ok. Slime Season 2 de Young Thug. Laisse-moi mettre en contexte vite fait. En gros, ça, c'est sorti en 2015. Et à l'époque, c'était même pas disponible sur les plateformes de streaming en mode Deezer et tout. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans une application pour pouvoir télécharger les fichiers, les avoir et tout en MP3 dans ton ordi, mais tu pouvais pas les écouter autrement. Et du coup, cette tape-là, il y a 24 morceaux dessus. Les 24, c'est des masterclass. Slime Season 2. Je dirais Nothing But a G-Thing de Snoop Dogg et Dr. Dre. C'est un classique de fou et je pense que je peux l'écouter à n'importe quel moment. Genre quand je suis triste, quand je suis content, quand je dois me déterre ou quand je dois me poser, il me mettra au max dans tous les cas. Oh, je l'ai clairement, c'est Genali. J'ai oublié le titre, mais c'était « J'aimerais tellement te dire que nanana, nanana, basket. Rap US. Cinéma. Non, cinéma américain, j'avoue, je fais l'ancien, mais j'aime pas les films français. Insta. Soir entre potes. La fouine. McDonald's. Oh non, en vrai, j'ai mal parlé, mais BK, j'avoue, BK, c'est pas mauvais, mais il faut savoir quelque chose, moi, je mange que du poulet. C'est-à-dire, je mange rien d'autre que du poulet comme viande. Et... Le poulet du McDo n'est pas comparable avec celui du BK. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais moi je le sais. Pain au chocolat, let's go. Cette question par contre, merci de l'avoir posée, merci.